terreur, stupeur et hurlement. Le grand frisson est de rigueur du côté du nord-est de la France. Et pour cause, le Festival international du film fantastique de Gérardmer a ouvert ses portes le 25 janvier 2023 et ne se conclura qu'après 5 journées de projection. Pour savoir qui repartira de cette 30e édition de l'événement les bras chargés de trophées, il faudra sans doute se tourner vers le jury, qui est une nouvelle fois exceptionnel. À la tête de ce jury, on retrouve non pas un mais deux présidents. Et quel président ? Il s'agit de Michel Hazanavicius, qui a récemment sorti l'horrifique Coupé, en mai dernier, ainsi que de sa charmante épouse, et muse cinématographique, Bérénice Bejo. À leur côté, pour s'assurer que le palmarès soit le plus juste possible, Anne Leny, le rappeur Gringe, Finnegan Oldfield, la chanteuse Catherine Ringer, ex-Rita Mitsuko, l'hilarante Alex Lutz, Sébastien Marnier, Pierre Deladonchamp ainsi que Pierre Rochefort, l'acteur et chanteur, fils de la cinéaste Nicole Garcia et de feu Jean Rochefort, acteur de renom du cinéma français. Cette 30e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer est un franc succès. Tous les passes festivaliers ont été vendus, et les envieux devront espérer que des places se libèrent pour pouvoir les acheter en ligne. Si vous avez prévu d'assister à cet événement, prenez toutefois vos précautions, les films qui seront projetés du 25 au 29 janvier 2023 peuvent contenir des scènes ou des images de nature à choquer certains spectateurs. À l'exception des séances jeunes publics, l'entrée en salle est interdite aux moins de 16 ans. Une pièce d'identité pourra même être demandée en cas de doute. Gérardmer 2023, tous les films en compétition, Memory of Water, de Sarah Saarela, Zeria, de Harry Cleven, Watcher, de Chloé Okuno, The Nocebo Effect, de Lorcan Finnegan, Piaf, Dan Oren, La Pieta, d'Eduardo Casanova, Blood, Brad Anderson, La Tour, de Guillaume Niclou, La Montagne, de Thomas Salvador.